Bonjour. On n'a pas déjà fait cette intro? Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Spiro 2. J'espère que vous allez bien. Je suis de retour de vacances après tous ces épisodes tournés en avance. Enfin, tout. À vrai dire, sur Spiro, il y en a eu, je crois, deux en avance. C'était pas la folie. Néanmoins, j'ai vu un petit peu tous vos commentaires. Globalement, j'ai raté une tonne de choses. J'ai été très mauvais. Enfin, bref, comme d'hab. Aujourd'hui, on découvre un petit peu ces nouveaux paysages, notamment par exemple le marécage mystique hein, qui semble très sympathique. Je vous propose de commencer par celui-là et puis basta! Quelles sont ces choses monstrueuses? Monstrueux! Monstrueux, il y a des escargots éléphants. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Oh là 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 là, puis même toi, t'es ultra moche. Les choses ne sont plus pareilles depuis que notre fontaine magique est un sec. Ce serait génial si tu découvrais quelle force maléfique a créé ce désastre. On va faire ça. Bon, on va pas juger trop le faciès des gens. On l'a déjà bien assez fait sur cette chaîne. Donc doucement. Et essayons de faire les choses dans l'ordre pour avoir des commentaires qui ne me disent pas uniquement que j'ai raté des trucs. Parce que bon, oh regardez des pommes de... Ah des pommes. Des pommes. De Crash Bandicoot. Ok, ça meurt, c'est machin. Parce que oui, j'ai eu beaucoup de commentaires de votre part, hein, beaucoup d'astuces, de choses que j'avais ratées. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos commentaires. Toujours très appréciables et très souvent bienveillants. Donc, genre en immense majorité. Bon, par contre, prendre des pommes, c'est pas très bienveillant, mais voilà. Ah non, mais les escargots éléphants, mais c'est abominable. Quelle est cette chose? Quelle est cette création maléfique? De toute façon, dans ce jeu, tout est démon. On va d'abord checker quand même. 3 zouigoui. Et niveau point de comp, il n'y a plus grand-chose, je crois. En fait, il n'y a plus rien. Il y a le circuit du canyon et l'arène de Ripto, en fait. Donc, on va pas trop se prendre la tête. D'ailleurs, hein, bien sûr, on retournera, je pense, après la fin du jeu. On retourne dans les premiers niveaux pour compléter un petit peu, mais sans forcément faire le 100%, et après, en live, on termine le 100%. Voilà, on fait pas tout en live dès que j'ai fini le jeu, quoi. Alors, par contre, lui, voilà. Ah, d'abord, non, ok, juste une charge, ça suffit. Les éléphants, par contre, les escargots éléphants, je ne sais pas comment on les zigouille, parce qu'ils m'ont l'air très gros. Je pense qu'en fait, il faut la supercharge, la charge de tête, c'était comment? Comme ça, hein. Je pense qu'il faut la supercharge ou une super flamme qui se débloque là. Quelque chose de ce genre, parce que c'est trop puissant. Mais ah, par contre, vous me saoulez. Dégagez. On va reprendre des points de vie. On approche doucement de la fin, je pense. Hein. On est dans la dernière zone. Non, mais toi. Non, mais qui a inventé ça? Qui a inventé ça? Qui a inventé ça? Faut qu'il se dénonce. Parce que... Ah! J'ai peur. Je suis mort. Je suis décédé. Je suis vraiment... fini. Il me faut de la vie. Donc on va retrouver des petites grenouilles. Par contre, eux, ils restent à 20. Je comprends pas. Ils m'ont pas donné des... Bah si, on est à 7. Ah bah non. Voilà, oh mais ça y est, j'ai joué. J'ai pas joué une semaine et ça y est, je suis perdu. Je croyais que ça décomptait, mais pas du tout, en fait. De la vie. De la vie, ce serait vraiment appréciable. Il y a peut-être des trucs dans l'eau. Ouais, mais non, mais dès que tu t'approches de ces machins là. Fuyez! Je suis planqué derrière l'arbre, tu peux pas m'avoir. Ok. Bon, on va clairement mourir. Je pense qu'on va recommencer. Qu'est-ce qu'on fait dans l'eau? Peut-être qu'on peut passer dans l'eau tranquille, tout simplement. On va checker un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Tu peux descendre la caméra? Voilà. C'est gentil. De l'autre côté, on n'a pas forcément regardé, mais en fait, je pense que là, on a pied. Ouais, là, il n'y a rien. Il y a des ennemis au fond de l'eau. Ok. 8 sur 20. Médiocre. J'avais horreur de ça, moi, quand on écrivait médiocre sur la note. C'est parce que t'as les insuffisants, t'as les passables, t'as les continuer vos efforts, et je suis mort. Mais le médiocre, je l'ai toujours trouvé très méchant, tu vois. Médiocre. Navrant, tu vois, ça me fait le même effet. Ah, mais c'est vrai, en plus, j'ai pas sauvegardé. Oh là là, là 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 là, c'est pas possible, quoi. Une semaine sans jouer, mais je perds tous mes réflexes. Qui étaient pas bien ouf.
Donc va falloir retuer tout le monde. Mais c'est pas un problème, regarde, parce que... Hop. Hop. Il y en avait un par là? Non, je sais pas, j'en ai tué plus que ça tout à l'heure. Ce n'est pas un problème. En fait, c'est les carapaces roses. Là où il y a les escargots, les... Bordel, mais... On est dans la galère, hein. Pourtant, là, c'est pas si difficile. C'est juste que je suis très nul. Sors de ta cachette, toi. Mais vous êtes incroyables! C'est quoi tous ces snipers, là? On n'en peut plus! Il y en avait un ici ou pas? Oui, il y en a un, il y en a un. Attention aux snipers, attention! Que tout le monde se calme bien! On est là pour s'amuser! On va chercher la grenouille. Et on va peut-être avancer un peu, hein, dites-vous. On va voir ce que ça fait, quoi. Le reste du niveau, c'est pour vous, hein, c'est pour le divertissement. C'est pour qu'on puisse voir un peu, hein. Ça se trouve, les éléphants, on peut les tuer depuis le début, juste avec une flamme. J'ai pas osé, quoi. Ils sont tellement vénères, ici. Oh. Oh, faut peut-être ramener ces petits. Mais regardez! Bon, il a pas l'air bien malin. Non, il y a quelque chose qui se passe pas, là. Il y a quelque chose qui va pas. Effectivement, c'est pas moi le plus débile! Des flammes suffisent pour tuer le pachyderme mollusque. Mollusque? Attention! Ah non, mais en fait, c'est pas les pachydermes. Ok, en fait, il tire 3 pommes et après il se calme. Après, il grimaçouille. Voilà, il snipe, il recharge et la bam! Voilà, ça y est, on a la solution pour tuer tout le monde. On est prêt. On est prêt pour décimer la population. C'est bon. Que tout le monde se calme. Que tout le monde se calme, que tout le monde s'amuse, s'il vous plaît. Prenez du plaisir. Oh, non. Ah, en plus, on a eu la petite sauvegarde de la go. On va retourner dans l'eau. On va faire gaffe au truc. J'ai même pas fait gaffe à ce que c'était que cette bestiole. Meurs ! Je crois que c'était un psychoquack. Ah, je suis déjà full vie, mais que fait-il, quoi? Que fait-il? On est à... 15! C'est bien mieux! On tue tous les animaux marins. Non, là-bas, il y a de la gemme. Il y en a un qui s'est évaporé juste sous nos yeux. Attends, comment on y va? On va peut-être par là. Bon, ok, je me dévoue, je vais en haut. Oh! Full bonheur. Non, plus tard, lui, plus tard. Ah! Alors lui, il va me demander peut-être de sauver les canards. Ah, Spiro, je suis heureux que tu sois là. Je ne peux rien faire sans mon cher crayon et je crois l'avoir perdu. J'ai un œuf en trop. Tu pourrais peut-être l'échanger contre mon crayon? J'étais prêt déjà à vous dire, ok, la quête du crayon, mais non seulement c'est la quête du crayon, mais en plus on l'échange contre un œuf. Mais avec qui? Je sais pas. Il me propose des quêtes très étranges. Hein. Qui veut un œuf? Je l'échange contre un stylo 4 couleurs. Je sais pas. C'est rentable. Tiens, toi. Bam. On va simplement... Ah, il m'a fait peur. Je l'ai pas vu. Tu vois, cette grenouille avait l'air inoffensive, elle avait sûrement une famille. On l'a cramé. Toujours dans ce jeu, toujours. Écoute, je laisse l'œuf ici, on verra après, là. Ça me saoule ton histoire. Je vais aller dans l'eau, je veux finir mes psychoquacks. Je plonge. Voilà. On attend gentiment, voilà, le psychoquack. Et bam. Voilà, on est à 20. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je sais pas ce que ça débloque, mais c'est une bonne nouvelle. Du coup, si la flamme classique suffit pour les escargéléphants... Éléphants-scargots... Enfin, voilà, quoi. Si ça suffit... Enfin, je sais pas ce qu'il faudrait mieux dire. Un éléphant... Un élève-cargo? Non, un élève-cargo, c'est n'importe quoi. Un escargot-éléphant, ça marche déjà un peu mieux. Enfin, bref, maintenant qu'on sait que la flamme normale suffit, je me demande ce que ça va débloquer. Peut-être...
de pouvoir s'envoler. Est-ce que je vous tue? À quoi servez-vous? À quoi servez-vous? Bon, bah écoutez, ça c'est fait. On va aller voir ce que ça donne. Si j'arrive à grimper là, mais ça m'étonnerait grandement. Voilà, on va trouver simplement un petit rebord beaucoup plus classique. Voilà. Oh, ok. Ah, c'est pour faire un saut. Ah oui, mais c'est moins drôle, ça. Olé, olé. C'est moins drôle. Bruh. Avez-vous un commentaire? Je ne pense pas. Non, 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 ça suffit, ça suffit. Effacez ce commentaire, effacez-le bien. Attends. Voilà. Autant tuer toute la famille, tu vois, qu'il y ait personne triste, finalement. C'est peut-être pas plus mal. Bon. Et du coup, personne ne veut un œuf. Peut-être que cette demoiselle meurt d'envie de bouffer un œuf et qu'elle a un crayon. Oh, attention! Quoi? Oh, je me suis assoupi un moment. Ma foi, j'ai dû laisser s'éteindre la fontaine. Tiens, prends cette orbe et ne parle pas de ma petite sieste à Hydrar, d'accord? D'accord, ok. On a un zouzoui très facile. Il suffisait de réveiller cette chose. Ah mais oui, d'accord, d'accord, d'accord. On doit avoir à la place des reliques, bah à chaque fois un orbe très simple. Je pense. Oh là là, apprendre à maîtriser la caméra. Non, il n'y a rien ici. Mais quelle déception. Ma foi. Ma foi, ma foi. Attention au sniper, il est où? Je l'ai tué? J'ai pas fait gaffe. Et ça... Eh bien... Ah! Faut mettre l'œuf là-dedans! Mais en quoi? C'est quoi le rapport avec le crayon? Rien ne va ici, rien ne va. Ce monde a l'air grand, encore une fois. On est tombé sur un monde qui va me faire un épisode entier. Surtout vu ma nullité, là, parce que j'ai du mal à reprendre. Alors déjà, tu allumes ça, non? Là-dedans aussi, il faut un œuf. Oh, hop, 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 hop. Ne mettez pas vos pieds dans la soupe. Ok, ici, il y a de la vie. Tiens, on va prendre parce que j'en ai perdu plusieurs sur le dernier boss. D'ailleurs, d'après vous, si j'ai galéré sur celui-là, je vais encore plus galérer sur Ripto. Ça me met en joie, en général, ce genre de message. Mais vous savez que, parfois, c'est quand vous écrivez ça que je le fais, genre, sans comprendre que j'ai réussi. J'ai encore une gourde de bête, là. Enfin, genre, les trucs faciles. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce bazar? Il y a des drôles de trucs, hein. En général, les trucs faciles, ils arrivent sans me prendre la tête. Non, c'est pas ça. Les trucs difficiles, j'y arrive du premier coup. Genre, tu sais pas trop comment. Et les trucs faciles, j'y arrive pas. Bah, y a qu'à voir ce niveau, quoi. Y a qu'à voir. Alors, bonjour à vous tous. Je sais pas si ça sert à quelque chose de les tuer. Mais ça me fait beaucoup de plaisir. Voilà. Peut-être qu'il y a un truc avec une trentaine d'orbes. Attends. Non, j'ai cru. Je me suis perdu, hein. Par contre, je ne sais plus où je suis, mais alors plus du tout. En plus, l'œuf, je sais plus où je l'ai posé. Oh! Pardon. Beaucoup de cris. Beaucoup d'énervement. Tiens, 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 tiens. Viens là, toi. Viens là, viens là, viens là. On prend, on prend. On tue! Je l'ai eu. On est à 30. Allez. Peut-être que... Il y a un autre truc à avoir. Et je serais content de les avoir. Tiens, là-haut, un habitant. Toi, tu meurs. Pourquoi? Tu es mort avant que j'arrive. Ah, je suis de retour ici. Ok, on a fait un petit tour. C'est pas plus mal. Je pense que je suis moins perdu que prévu. Saute! Ah, Spiro, un visage ami. On se connaît. Un ramassis de voleurs m'a pris les bougies d'allumage. Retrouve-moi mes 4 bougies. Attrape les voleurs. C'est pas des trucs qui font nanananana. Mais j'ai vu personne faire ça, moi. Méfions-nous, la dernière fois qu'on a eu ça, y en a un qui nous avait flippé.
Bah alors là. Stop, 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 stop. Je sais pas où sont les voleurs, moi j'ai tué tout le monde. Hein. J'ai tué tout le monde. Ah, peut-être là-dessus. Ah, ah bah viens, d'accord, il sera pas. D'accord. Ok, 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 j'arrive, 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 je suis au point, je suis au point, je suis au point. Je suis pas du tout. Pas du tout au point. Attends, il a sauté dans l'eau? C'est quoi ce chemin là? On l'a pas pris encore. Avez-vous déjà vu quelqu'un aussi perdu? Ouais, 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 ouais. Ça, s'il faut faire une course-poursuite dans l'eau, on est mal barre. Hein, parce que, vu comment je galère à diriger la caméra. En plus, faut en faire 4. Hein. Faut en faire 4, les gars. Oh, mais pourquoi ça saute pas? Ça saute pas quand je suis en charge. Grosse déception. Il avait qu'à pas essayer de plonger de manière gracieuse. Alors ensuite, tiens, on va passer par là sans toucher l'eau. Et ici... Ici... Ici, je suis venu? Ouais, je suis venu. Ah bah dis donc, il vaudrait mieux pas faire des pauses, hein, parce que déjà que l'habitude, je fais beaucoup de bêtises, mais alors là, c'est encore pire. Donc en fait, j'imagine que les voleurs... Ouah ! N'étaient pas là avant. C'est bien la première fois que j'en vois un. Je sens qu'il va falloir courir sur tous ces trucs. Ça se sent. Bah alors on s'est pas visé, bam. Pourtant, il y a personne ici. Ah. Non, c'est moi que j'entends courir. Ah non, c'est toi! Décède! Mais c'est sûr qu'il va falloir courir bizarre ici. Ça ressemble tellement à un truc en supercharge. Bon, c'est trop étroit et trop long pour pouvoir faire un truc, mais voilà. Je pense à la caméra. J'éteins la caméra. Je rallume la caméra. Oh! Bah tiens, en face. Ok, il y a un gars là-bas planqué. On va le sortir de sa torpeur. D'accord, ok, ok, ok. Ah! Non, non, il plonge! Il est parti où? Il a sauté en haut? Attends, mais c'est quoi ces machins qui sautent n'importe comment là? Oh, oh, comme moi, voilà, parfait, super. Boum! Bah ça s'annonce bien. Attends. Ah non, c'est une tortue grenouille. Toujours ce petit problème de grenouille et de tortue, hein, qui... qui ne veulent pas... Ben voilà quoi, vous savez. Si vous savez pas, c'est que vous savez pas. Voilà. Ok, 400 gemmes, ça c'est bon, on n'en parle plus. Mais quoi? Mais non, mais non, mais non, mais c'est pas vrai. Oh là là, je sais déjà que l'épisode va s'appeler... Retour difficile. Allez, 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 on se détend. Voilà, comme ça. C'est pas vrai d'être nul comme ça. Mais le gars il vole aussi, c'est Peter Pan, qu'est-ce que vous voulez faire contre ça? Là je vais le choper sur le retour. Ah. Ok. Eh ben dites donc. On n'est pas sorti des ronces hein. Ok, il y en a un troisième ici. Attends. Ok, tu fais juste le tour. Tu fais juste le tour. Regarde, bam. J'ai dit bam. C'est bon. Bon, le quatrième, par contre. Le quatrième, par contre... Ah bah, il est là-haut. Ok, le dernier est ici. Le dernier est ici. On se prépare. On se prépare, Echo. Ouf, il n'y a pas le temps de démarrer, lui. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. En plus, on me TP jusqu'au mec. Les affaires reprennent. Tiens, mon jeune ami dragon, prends ça. C'est digne d'un musée, mais tu l'as mérité. Super. C'est donc un zouigoui. No problem. On va reprendre notre histoire d'œuf. Bien que, je suis pas certain de ce qu'il faille faire quand même. Hein. La porter dans le nid. Je crois que c'est peut-être qu'il y a un système d'échange. Il y a quelque chose comme ça. Dans le nid, on va me donner autre chose que je vais emmener jusque... Enfin, je sais pas. Écoutez... Par contre, l'œuf n'est plus là. Il a dû revenir ici, comme un grand.
maintenant. Monsieur ? Oh, j'ai vraiment besoin de ce crayon. Veux-tu réessayer ? Oui, un autre œuf. Voici encore un œuf. Tu n'arriveras pas à l'échanger directement contre un crayon. Ah bah c'est ça. C'est ça. Donc, je vais l'emmener au nid. Et on verra après. Après, je pense qu'il y a le truc dans la marmite, le truc avec l'espèce de plante qui avait l'air de bouger un peu. C'est un petit peu bizarre. Mais même là, en plus, le cracher dans le nid, ça me paraît curieux. Là. Nul. Non, c'est bon. Ok, l'espèce de graine pour l'espèce de pot. On va partir sur ce constat, sur ce postulat. Ah ! Je vous avais presque oublié, vous. Ok, j'ai beaucoup de commentaires à faire. Et curieusement, je vais pas les faire. Voilà, je me dis que... Y a pas besoin, des fois que... Y'a pas besoin, des fois le silence vaut mieux. Comment on dit là, le silence est d'or. Voilà. Tenez, c'est cadeau. Parfait. On va dans la marmite et la marmite me crache un crayon. Et si la marmite me crache pas un crayon, par contre je ne sais pas. Parce que je me souviens pas d'un truc spécifique. Un truc vraiment bizarre dans la région. Peut-être dans la fontaine à la limite. Peut-être là-dessus, je sais pas, on verra. Marmite. Qu'est-ce que c'est ? Ok. Ok. Attends. C'est une pièce d'or. J'arrive pas à voir ce qu'il y a dessus. J'arrive pas à comprendre ce qu'il y a dessus. Bon. Est-ce que j'ai raté un habitant depuis tout ce temps? Est-ce que je te parle à toi et tu me dis que t'en as rien à faire? Je vais le ramener au prof. On verra bien. J'ai dû rater quelqu'un, quoi. Aïe. Tiens. Non, cela ne va pas m'aider, Spiro. Continuez à échanger pour obtenir le crayon. Mais... Bon, on va visiter encore. J'ai dû rater un truc bête, encore une fois. Sinon, je le ramène à quelqu'un. Peut-être dans la fontaine. Ah, tu vois. Ah, oui. Oui. Jeter une pièce dans la fontaine. Et la fontaine te donne un crayon. Vous connaissez pas ce proverbe? Une pièce dans la fontaine... Et les crayons tombent du plafond. Eh oui. Vous avez jamais fait ça quand vous étiez petit? Attends, oui, c'est là. Voici pour vous, monsieur. Mon crayon! Je vais pouvoir me relancer dans le calcul de l'âge de l'univers! Tiens, prends cette orbe pour plus de sûreté. Et Laura pense que je vais le perdre. Mmh. Du coup, niveau terminé à 100% là, je pense. Orbe tous collectés. Niveau terminé à 100%. Nickel, bleu ciel. Allez, on s'en va. C'était assez laborieux. Ce retour sur les vidéos. Ah, par contre, vous, il va falloir faire quelque chose. Ah oui, c'est le maître qui était pas content parce qu'elle s'était endormie. Bah bien sûr. Tout s'explique. Ouais. Ouais, bon, bah écoutez, assez laborieux, mais néanmoins, on a réussi, hein. Voilà. Arrêtons-nous là. Et la prochaine fois, j'aimerais bien trouver, je sais plus où il est, le circuit, quoi, le niveau de vol, comme ça on n'en parle plus. Hein, comme ça, ça s'est fait.
Bien qu'il y a plein de points de compétences à y faire, et des niveaux que j'ai pas fait en dans les précédents. Tiens, toi, je t'ai pas pris, là. Et toi aussi, je t'ai pas cassé, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ou alors, j'ai peut-être pas sauvegardé derrière. C'est possible, parce que je suis pas sûr d'avoir trouvé une fée pour sauvegarder. Et puis, j'ai vu, là, en bas, aussi, que j'avais des trucs. Il y a des trucs en bas, et il y a peut-être un niveau, d'ailleurs. Bref, on voit ça la prochaine fois. J'espère que cet épisode vous aura plu, malgré une nullité non discutable, parce que j'ai eu du mal à reprendre en main ce bon vieux Spyro. On se retrouve bientôt, je l'espère. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, bye bye.